monde, bah, j'espère que ça va. Alors, je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous vos retours, tous vos partages, tout votre amour quant à la vidéo que j'ai postée hier sur Instagram sur les violences conjugales, qui est un sujet qui me tient plus qu'à cœur. C'était hyper important pour moi d'en parler, c'était hyper important pour moi de le faire de cette manière-là. Je suis hyper contente que ça vous ait plu, ça vous ait touché et surtout que ça sensibilise ma communauté, que ça sensibilise du coup tout le monde sur ces violences, parce que c'est hyper important d'en parler, encore plus pendant cette période de confinement où elles n'ont cessé d'augmenter. Hier soir, j'étais un peu à fleur de peau, j'étais en train de vous lire, c'était quand même hyper dur pour moi de poster cette vidéo, mais elle était nécessaire et essentielle. Donc du coup voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur, vraiment. Je viens de recevoir un bouquet qui est absolument magnifique de la part de Tommy Hilfiger. Je suis hyper contente, j'espère que je le prononce bien en tout cas. Et alors du coup il y a du pivoine, du mufflier, de l'alstroméria et de la rose. C'est incroyablement joli. Non. Hier, j'ai reçu un commentaire qui m'a vachement interpellée et je me suis dit, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Quand j'ai posté ma vidéo hier, vous le savez très bien, la bande-son, c'est la bande-son de Dalida. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire que, en fait, hier, le 3 mai, c'était l'anniversaire de la mort de Dalida. Et je n'ai absolument pas fait exprès de poster la vidéo ce jour-là. Et je trouve ça juste dingue, en fait. Ça vous fait ça, mais aujourd'hui, moi, c'est ma spécialité. Tout ce que j'ai essayé de faire, ça n'a pas marché. J'ai essayé de filmer une vidéo pour YouTube, ça n'a pas marché, ça m'a saoulée. J'ai essayé de me maquiller pour faire un make-up stylé, horrible. J'ai essayé de télécharger quelque chose, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai l'impression que j'ai passé ma journée à essayer de passer une journée constructive et ça n'a pas marché du tout. Je pense qu'il y a des journées comme ça.